Au niveau de l'avancement, on a posé l'eau potable et la fin de semaine. À fin de semaine, on saura. Il faut qu'on puisse vraiment mettre, mettons, s'il reste des petits arbres ici, là, ouais. J'aimerais qu'ils les mettent autour du transeau, parce que ça va faire deux par trace, donc ça va être parfois. Ensuite, j'ai reçu hier, donc j'ai pas eu le temps de lire tout le mail, c'est concernant le protocole pour la première pierre. Le 17. Pour le 10e juillet. Je l'amènerai la semaine prochaine, il me demande plein de choses. C'est ça vous regarde pas trop, mais bon, il faudra vraiment que la plateforme, là où on va mettre le barnum, etc., soit vraiment propre. Il y a même un parking pour les officiels maintenant. Alors, est-ce qu'on pourra accéder? Il n'y aura pas 50 voitures. S'il y a le préfet qui vient, le président de l'agglo, si le président du département vient, il y a 10-15 voitures. Est-ce qu'on aura un endroit qui sera à peu près propre pour qu'on puisse stocker les voitures? On a encore un peu de temps, mais bon. À bloquer des places de stationnement sur Marcheguien et ensuite les faire arriver par là. Moi je vois, est-ce que nous on peut pas, si tout est fermé, est-ce qu'on peut pas nous accéder jusqu'ici en voiture? Mais ce jour-là on mettra le policier municipal s'il a plu la veille, à l'entrée. Voilà, après c'est toujours aléatoire. Hein. Mais bon, c'est en juillet, il faut espérer qu'il fasse beau. Même le jour de la première pierre, sinon ça va être un peu. Mais sinon, sur les Marcheguien, c'est pas mal, hein, c'est propre. Oui, mais ça veut dire il faut bloquer, il faut l'arrêter. Ça dépend de combien de places on parle. Si c'est deux places juste pour le préfet, non, ouais, chose, si c'est une quête de deux places, si c'est les officiels. On bloque ce côté-là. I'm sick.